Ouais, je m'appelle William Bombardion et j'habite à Rèche-Beaufort. Je travaille à la coopérative laitière du Beaufortin où on fabrique le Beaufort. Ma journée en hiver, quand je travaille, je me lève à 4h pour commencer le travail à 4h30. Je travaille jusqu'à midi et demi. Ensuite, grands-parents étaient du côté de ma mère à Arèche et du côté de mon père à Beaufort. C'est les deux villages de la commune. Ils étaient toutes les deux des familles d'agriculteurs qui avaient des vaches. À faire du ski alpiniste parce qu'il y avait la Pyramenta chez moi à Rèche-Beaufort et j'étais très attiré par cette discipline. C'est pour ça que j'ai fait du ski de rando de Pyramenta. J'avais 3 ans quand la première a eu lieu et avec le départ qui est à 100 mètres de chez moi, j'ai tout le temps été au milieu de l'événement, on va dire. Le rapport avec les courses, on pense à sa famille, mais je reste compétiteur quand même. Et c'est vrai qu'il faut coordonner, bien planifier l'emploi du temps pour passer du temps avec la famille, et l'entraînement et les courses. C'est toute une organisation à faire à l'avance pour pouvoir tout faire. C'est vrai que ça fait beaucoup de trucs, mais jusqu'à maintenant, je m'en sors. Oui, j'aime bien me retrouver en montagne où des fois, il y a la mer de nuages qui rebouche tous les villages alentours, et de se retrouver au sommet, au soleil, et de profiter du soleil. Et on a envie de rester en haut et de plus redescendre dans le village parce qu'il fait froid. Et ça, c'est des moments de plaisir très importants. Quand je rentre chez moi, je suis émerveillé. Quand on rentre, on est content d'être sur le canapé. Et ce qu'on a fait, on est vraiment émerveillé, quoi. Oui, ouais, d'avoir ma copine qui me soutient au quotidien. C'est important de ne pas avoir de la solitude, enfin, d'avoir un groupe d'amis qui comprennent ce que je fais, quoi. C'est bien. Ouais. Oui, ouais, la chaussure, quand je l'ai mise la première fois, pendant les 2 premières minutes, on sent vraiment la légèreté et la liberté de mouvement qu'on a au niveau de la cheville. C'est vraiment agréable. Ouais, par rapport à la Stratos, il y a une liberté de mouvement qui est vraiment
on n'a pas l'impression d'avoir un collier dessus pour faire la descente ensuite. On a vraiment l'impression d'être avec une paire de baskets aux pieds. Et dès qu'on verrouille, après, on se rend compte qu'on a vraiment des chaussures de ski pour faire du ski. Samedi, le jeune.